جميله بعنوان اوكلونيا ماكسيما تكلمنا عليها السيد اوسياس ماركيز فليتفضل مشكوره غيتكلم الفرنسية ان شاء الله posició? Sí. aquí. Vale. Salam on va parlar uh, de salg marín, dels estrats uh, de, especialment de, de, de la clònia màxima, uh, ser uh, un algue que, que nous nous uh, no treballem, no desenvolupem uh, d'un compo expert. Eh, uh, important, és un algue d'origen africà, d'Àfrica de del Sud. Eh, bon, Què és que no podem trobar en el marxer quan no parlem de, de macroalg, d'alg marí? Eh, perquè després, el eh, col·lega José Carlos eh, va parlar de, de, de les microalgues i eh, la diferència amb les macroalgues. Eh, Nosaltres maintenant a parler de, 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 de biostimulants, euh, de produits biostimulants. Nous, nous de, uh, uh, bio uh, 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 de produits agut pour le goutte à goutte, euh, solubles, et, et aujourd'hui, il important euh, les produits biostimulants. Et, et, et les marines sont une référence, une en euh, ces gammes de produits. Qu'est-ce qu que nous pouvons trouver dans selon la, la producció, eh, com, eh, com és eh, la producció, hi ha de, 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 de eh, eh, produir d'infusió, de, eh, de, 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 de salg sec, eh, sec, eh, se, se produir que hi ha perdut molt de, 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 de produir natural, perquè eh, quan, quan l'alg és sec, eh, tu, tu, tu has perdut Beaucoup de vitamines, beaucoup de, de produits naturels, de Il y a produits avec algues, euh, mais il n'y a pas euh, extraction. C'est euh, un produit comme, euh, comme un, un liquide de, 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 de l'algue, mais, mais il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de, 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 euh, de un potentiel biostimulant fort. Il y a produits euh, sans, sans hormones hormone naturel parce que l'extraction, c'est très agressive avec euh, euh, produits produit euh, euh, avec, avec, avec acide, avec euh, l'application de, des calories. De, de, et ce, ce processus, euh, il a détruit euh, le, le euh, tous les hormones, les vitamines, les substances naturelles. Et à la fin, il y a des euh, produits euh, de qualité qui sont extraits euh, d'algues euh, fraîches euh, avec une capacité biostimulante intéressante euh, pour euh, la culture. Et selon l'origine, euh, nous pouvons trouver des algues africaines, comme, euh, comme la nôtre, la Clonia maxima euh, d'Afrique du Sud. Et nous pouvons trouver des euh, algues du de, 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 de nord d'Europe, de, 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 les mers de la mer fuat de nord d'Europa, com l'escofilum nodosum, i altres algues eh, de, 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 de la mer del Carib, de, de, de la Xina, eh, xinoise, com les sargassum, per exemple. Maxima, eh, la clònia màxima eh, hi ha beaucoup d'avantages per, per l'aplicació a l'agricultura, dans la nostra agricultura ici, a l'Àfrica. Eh, per exemple, són algues amb un croissant molt ràpid per a la, la recerca de la de, de soleil. Ells eh, fan avoir un, un, un croissant molt ràpid per arribar a la soleil. I és important per definir la composició de l'alga Hi ha una composició LV en auxin eh, per eh, eh, aider a croissants i en lloc de la citoquinina, per exemple, que la citoquinin és més eh, important en l'escofil 1 per exemple. I no podem trobar molt de vitamines i d'altres substàncies naturals molt eh, interessants per la planta. Euh, la Clonia maxima massima il est parfaite pour l'application foliaire et, et pour euh, favoriser euh, la croissance des de nouvelles racines blanches, les nouvelles euh, petites racines blanches, qui sont les plus importantes, les plus importantes pour euh, l'absorption des euh, les, euh, les, les les nutriments. Euh, C'est un algue euh, parfait pour la. Euh, Oh, eh eh al moment de la nullesió, eh el PVA ha fa la divisió cel·lular en la crescent de fruit. Et, eh i le o important al moment de de grossiment de en maturitat de 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 la de la nostra reproducció. i si nous avons le produit euh que nous sommes euh, en train de 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 homologuer en nous espérons euh, l'avoir euh, euh, avant le, le fin de cet année. Euh et, et il a euh, une bonne solution pour euh, comme bioestimulant, pour euh la arginine notre gamme de, de un produit bioestimulant et s'en peut natural naturelle avec beaucoup de hormones naturelles, euh Et vitamines et des sols ok on va voir euh, un vidéo pour euh, pour euh, vous montrer la l'extraction la, euh, à l'afrique la, du sud des produits et Le les vidéos c'est en anglais mais vous pouvez lire euh, en français euh, These thriving kelp forests consist largely of a very unique species of kelp called Eclonia maxima, not found in any other oceans across the globe. This kelp has a unique fingerprint of active ingredients, which over the years have benefited many agricultural crops across the world. It is here the journey of Afrikelp's natural plant booster product begins. Our Eclonia maxima fronds are freshly harvested by hand. Using a method that does not kill the kelp plant, nurturing the growth and stability of these valuable kelp forests. The freshly harvested kelp is transported to our facility in Khanspai, where the extraction process will take place. Upon arrival, the kelp is washed and all the sea life in the kelp is removed and returned to the ocean. The kelp is then weighed before entering our unique cold micronization process, or CMP. Africelp has identified and perfected the most gentle, and efficient extraction method in the market, ensuring all the sensitive active ingredients maintain their biological activity throughout our process up to the final product. Upon entering the system, the kelp is micronized by passing through a series of inline micronization equipment. Our gentle mechanical process allows extraction without the need for harsh chemicals or high pressures. To further ensure a low stress environment, this process is strictly monitored and kept at a cold temperature like that of the kelp's natural habitat. This unique and gentle extraction method ensures that Afrikelp's natural liquid seaweed is packed with healthy levels of valuable active ingredients that contribute positively to plant growth and crop quality. After all the goodness has been extracted from the kelp, the mixture proceeds to the solid liquid separator, a German engineered Hiller decanter. It enters the decanter at high speed, effectively separating the solids from the rich liquid extract. From here, the liquid extract is transported to the Africelp head office in Cape Town, where each batch undergoes a stringent triple quality control procedure to ensure a consistent and biologically active kelp arrives at our partners across the globe. Africelp, nurturing growth. Okay, shukran. شكرا السيد ماركيز ان شاء الله الاسئله والتدخلات تل الاخير ان شاء الله اللقاء اللي ون... عنده شي سؤال يطرحه شكرا السيد اوسياس على التقديم جميل لتناول موضوع كلونيا ماكسيما لننتقل ان شاء الله العرض الخامس والاخير غيقدمه السيد خوسي كارلوس حول لي بيوستيميلون لي ميكرو الغ ويتكلم على واحد البرودوي ضد شكرا تفضل Buenos días a todos. Bueno, la idea de hoy es presentar un producto nuevo, muy diferente, que es un producto que, que viene de las microalgas y que es el primer producto registrado en África en base a microalgas. Hoy, con esta presentación de mi colega José Carlos, que es el chef de productos liquidificativos estimulantes, es montar, montez-vous un producto a base de microalgues, no es la ascofilum, no la clonia es una tercera familia, que es la microalga, y es el primer producto registrado en Maroc como un producto específico de micro Lo primero de todo es conocer que hay eh, dos grupos importantes, que es eclonia máxima y ascofilum nodosum. Como nos conocemos, principalmente, aparentemente, hay dos principales grupos a base de alga, que son el ascofilum y el lo más importante es que Eclonia Maxima se, eh, se caracteriza porque su contenido principal es el equivalente auxínico. Lo más importante es saber que el contenido de Eclonia es avaz de l'hormón Y Ascofilum nodosum se caracteriza porque su contenido principal es ceatina, citoquininas. Y el componente principal de Ascofilum es la ceatina. Se trata de ansiotocininas. Ambos eh, marcan dos tipos de hormonas. Los dos son focalizados, posicionados en diferentes tipos de hormonas. Cuando hablamos de microalgas, ¿dónde están? Nos encontramos en medio porque guarda un equilibrio entre auxinas, citoquininas y gibberelinas. Cuando hablamos de las microalgas, ¿en dónde las podemos encontrar? Si a mí me Parce que les micro-algues représentent l'équilibre entre les saucines, les cytokinines et même aussi le gibberelline. Et c'est très important parce qu'en fonction de ce que je quitte buscar, je vais utiliser une ou l'autre. C'est très important parce qu'à la fin, ça dépend de le ou l'effet que je vais avoir je préférerai un algue ou un autre. Par exemple, si nous centramos en colonia maximale, Eclonia máxima principalmente es elongación celular, favorecer desarrollo radicular, favorecer cuajado y desarrollo de fruto, favorecer también injertos, cuando hacemos un tipo de injertos, y por tanto favorecer lo que es la elongación celular, el engorde. Podemos clasificar los efectos que sabemos cuando trabajamos la con la celular, elongación y división celular. Le développement des systèmes racinaires, les améliorations des de deux procédures métaboliques de floration et nuisson, aussi les croissances, tous les sujets qui sont avec la maturation, coloration, taux de sucre, et aussi pour les graphées, pour fermer les blessures qui a un peu en graffés. Quand nous parlons ce que nous parlons est que l'objectif principal est la hoja et le brote. Quand nous parlons del Ascofilum, El objetivo es la folia, el esburjo. ¿Por qué? Porque favorece la división celular, sobre todo a nivel foliar, favorece que los nutrientes vayan a la hoja y, por tanto, mejoro la vegetación de la planta, eh, inhibo lo que son el tema de estréses como el ácido, como ácido acísico y, por tanto, eh, no promuevo raíces y favorece, por tanto, el estado vegetativo de la planta. Sí, sobre todo a nivel de ascofilum ascofilum, vamos a favorecer, vamos a mejorar, vamos a promover y activar el transporte de todos los nutrientes hasta la hoja. Y al contrario, vamos a inhibir las hormonas que son responsables de activar el desarrollo del sistema racional. Cuando hablamos de microalgas, está en medio y por tanto es una, un concepto que no eh, desequilibra a la planta, ni al fruto, ni a la hoja. Oui, la nouveauté des de micro-algues, c'est qu'avec cette solution, cet outil, nous pouvons trouver l'équilibre, les valences, Parce que nous pouvons travailler avec les micro sans faire les dommages à la part de la croissance végétative de la folle et sans dommager, au sens sans stopper le développement des systèmes racinaires. Pourquoi la micro-alga garde un équilibre hormonal de la 3 hormones Es un potente antiestrés porque en una célula pequeña contiene todo lo que necesita para poder vivir. Eh, no desequilibra la planta y esto es muy importante para los cultivos y presenta eh, un aumento a nivel de rendimiento de la planta por la característica que luego vamos a ver. Sí, se puede que la razón es que podemos posicionar, podemos trabajar el microal como solución antiestrés. Para hacer la lucha contra los diferentes stress que después nos vamos a definir y nombrar. Y también, podemos améliorar la producción de nuestra cultura gracias a que los productos sean intervención en las proceduras, sobre todo de la nuez y el engrosismo. Por tanto, Balfourea de Spira es un producto en base a microalgas, donde la microalga, dentro de esa célula, tiene que hacer todo para poder sobrevivir. Por tanto, concentra todo el doble que una macroalga. Es por eso que la tecnología espira, es una tecnología, en la microalga, se introduce en la célula de la planta, muy concentrada para activar todos los procesos metológicos en el interior de la célula. Bosforia espira el proceso de extracción, que es muy importante, es un hidrolizado enzimático de las microalgas. Enzimático quiere decir que no es destructivo. Es muy caro, es más costoso, pero no es destructivo y por eso mantiene todos los niveles de riqueza. Oui. El proceso de extracción est okay. est est de estas microalga es una hidrólisis enzimática, ¿ok? Es un proceso técnico complicado, pero con el objetivo de mantener todas las riquezas y todas las propiedades y todas las cualidades de las El origen son dos tipos de microalgas. Una crofite y la otra oscilatoria, y en su combinación es lo que hace Vasforia oui. de espira. Sí. A de sus d'origine, tenemos dos microal, es la microal verte, que es de origen et y microal bleue, que es de origen Por tanto, cuando hablamos de qué es Vasforia de espira, es un producto que contiene un equilibrio. Eh, hormonal a nivel citoquininas, auxinas y gibredinas, contiene vitaminas y polifenoles y contiene 6% de aminoácidos libres. Sí, oui, a la final, si nous trouvons nos encontramos en cada campo, la fiche, la ficha, la composición, con una análisis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar 6% de acetaminas, vamos a encontrar un equilibrio 1-1 de auxinas y citoquininas y también vamos a encontrar polifenoles y vitaminas. Por ejemplo, si cogemos el contenido a nivel equivalente hormonal, podemos ver el contenido de citoquininas, podemos ver el contenido de giberelina, de auxina y de otro tipo de hormonas relacionadas con el estrés. Y si, si nous avec un peu plus de détails avec les desgloses des citoquinina, et des auxines et de compositions que y a dans chaque groupe, nous pouvons trouver des específicas, aussi, pour faire la lutte et pour lutter contre el estrés, como nos dicho. Si por ejemplo vamos vemos la parte de antioxidantes y polifenoles, vemos un listado donde aparecen eh, antioxidantes no enzimáticos, como por ejemplo el ácido salicílico o la cafeína. Y si acudimos ya al aminograma, es un aminograma muy completo que la planta lo asimila muy fácil. Si quieres, que... Oui, aussi les aminogrammes. Allez, nous allons partager euh, l'aminogramme. Nous allons monter évaluer. Nous pouvons voir les résumés, les conclusions. C'est -ce qu'il y a un PD tout. Il y a toutes les typologies principales d'acétaminés spécifiques pour gagner, pour superer, pour faire la lutte de stress spécifiques. De stress eh, hydrique, salinité, température, différents stress. Cada amino acide a une fonction. Et les gens qui le plus par exemple, la prurine glutamine ou asparagine, qui sont aminoácidos de nitrogène, de transport de nitrogène et d'anti-stress. Oui. Les, dans tous les composants et tous les montants des d'acétaminés que nous pouvons trouver, c'est vrai qu'avec la glutamine et la proline, sont les deux principales acétaminés qui sont plus concentrées parce qu'elles sont des plus focalisées pour faire la lutte contre le stress et surtout pour activer quelle activité métabolique est relationnée dans la feuille. Encontramos otro tipo de aminoácidos en menor cantidad en proporción que tiene una importancia muy grande a nivel de otras funciones, como por ejemplo la clorofila, la germinación, la polinización o incremento de rendimiento. También hay otros acetaminés con avec moins concentración. Podemos hacer la comparación o el equivalente con los oligoelementos. Son siempre más concentrados, pero también con de la importancia. Que puede ser el desarrollo de la clorofila, la síntesis o la germinación de plantas, de la semence, o si hay relación con la el efecto o la acción de polinización. Todo esto hace un producto muy completo y muy equilibrado, y las funciones son las siguientes. A la fin, tenemos un producto muy completo y sobre todo un producto muy versátil. Como antiestrés o como nutricional, son dos enfoques que estamos trabajando este producto. A la vez, para hacer un de resumen, cuando podemos cuando queremos saber qué es el posicionamiento del producto, tenemos un posicionamiento antiestrés y un posicionamiento nutricional. Es un doble efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de antiestrés, la dosis es diferente y hablamos de un estrés tipo altas temperaturas, eh, temas herbicidas, temas de sequía, elevadas producciones, que es un estrés importante, la sanidad. Un ou oui. niveau de stress, surtout nous avons l'expérience et nous avons développé les produits comme anti-stress après la taille, quand les cultures sont très stressées, aussi quand il y a beaucoup de récoltes, quand il y a un haut niveau de, de production, et aussi, aussi à travers de la salinité, et c'est un produit que nous pouvons mélanger,

Et l'effet post -cosecha. Et si nous parlons de l'effet nutritionnel, nous avons trouvé trois eh, principaux avantages. C'est pour améliorer la nourriture, c'est aussi pour améliorer les transports des éléments comme peut-être les potasses focalisées pour l'engrossissement, et aussi pour la post-récolte, pour réactiver toutes les cultures quand elles se sont affinées. ¿Toda la información está dentro de la ficha técnica donde podéis encontrar el contenido de aminoácidos, el contenido hormonal y el contenido de polifenoles? Sí, oui, toda la información es publicable, es Se es en la etiqueta la ficha técnica donde podéis encontrar la composición, concentración de cada elemento, el aminograma y todo. Ahora vamos a ir analizando por bloque el efecto de basforial espira para cada tipo de situación. Vamos a mencionar ahora con un poco más de detalle. Chaque función con expériences. Primero, como antiestrés. Cuando hablamos de antiestrés, es esto: alta producción es un estrés. Ahora vamos a hablar del estrés a causa de una gran producción. Otro tipo de estrés son la poda. La poda es un para la planta y es muy importante: la sequía, la salinidad, el frío, eh, las enfermedades. Aún otros stress, on la chécheresse, es la taille, es el frojo, es el gelo. Son momentos de aplicación de vascular espira. Son los momentos que podemos trabajar los productos. Por tanto, cualquier tipo de situación provocada por acción biótica o abiótica son momentos de aplicación de vascular espira. A la fois, como nous podemos trabajar siempre, tout le temps, les productos, Après Un moment de stress, des différents stress, biotiques ou abiotiques. C'est un excuse pour introduire et travailler les produits et voir des, des résultats. Ejemplos. Et c'est important pour eh, l'application parce que la dosis va en fonction du type d'application. C'est important à niveau technique, à niveau pratique, à niveau sur le terrain. Il y a deux différents des do des dosages. Il y a un dosage pour l'effet de stress on va monter et un dosage, en dosage spécifique, pour l'effet nutritionnel. Por ejemplo, la aplicación junto a herbicidas es una aplicación muy común, en donde lo que vamos a buscar es evitar que la planta se pare por el herbicida. Ici, un, eh, y si por más sean, porque ya hay muchos productos antiestrés, etcétera, salinidad y et todo. Pero, aquí este posicionamiento, por más es un poco diferente, podemos trabajar los productos juntos con la aplicación de herbicidas para ayudar a la planta a recuperar y evitar. Les, les, la red, la interrupción de la creación vegetativa cuando aplicamos un herbicida todo solo. Por ejemplo, la primera aplicación en cebolla se aplica a 3-4 hojas. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta está en crecimiento. El herbicida va a frenar la división celular, va a frenar el crecimiento. Con balforia de espira reiniciamos ese crecimiento o evitamos su parada. Y si un ejercicio que hemos desarrollado en la cultura de la on Hemos hecho la aplicación del herbicida... Tradicional, a partir de la 3e, 4e foil, es un momento delicado, es un momento crítico para la planta, porque siempre, con la aplicación y el estrés a causa de l'herbicide, la planta se va a interrumpir. Ici, si, en este momento, si aplicamos l'herbicide ensemble, en synergie avec Spira, a reactivar la croissance sin ninguna interrupción. Aquí, un ejemplo de aplicación es Baforia de Spira, tres aplicaciones al 0,1% junto con el herbicida. Ici, nous pouvons voir, voir un protocole avec trois herbicides, trois molécules, trois ingrédients actifs très connus très train de développer sur les herbicides. Aussi, pour voir et montrer que le produit c'est mélangeable, c'est capable de mélanger sans aucun phytotoxicité, sans aucun problème de précipitation de notre produit avec les herbicides. Résultats, par exemple, le nombre de cebollas por cajon était supérieur au tratado avec la vasforia d'Espira, parce que nous calibre. Oui, ici, grâce à cet effet que nous avons dit ensemble avec l'herbicide, après, à la fin de la saison, quand nous avons comparé des récoltes, nous avons monté, nous avons observé que nous avons presque 8% plus de rendement en comparaison avec les témoins, que c'est avec l'herbicide, mais sans les produits. Pourquoi le peso de la cebolla comme asphoriale espira était beaucoup plus porque parce la parade de crecimiento Grâce à que les poids moyens. de cada cebolla es mucho más alto gracias a que no podemos interrumpir eh, la crecimiento de la cultura por el efecto del herbicida. Y un ejemplo de ello es que donde más concentra el herbicida, cuando hacemos la aplicación de espira, la planta resiste mejor y sigue creciendo. Cuando trabajamos el herbicida y en espira juntos, podemos ver que la resistencia de la cultura es mucho más grande y al final el efecto de la crecimiento es más claro. Y otro ejemplo de aplicación, por ejemplo, es el arroz. En el arroz también se está trabajando Basforia Espira junto con herbicidas. También si nous travaillons Basforia Espira dans les cultures de les riz avec la mélange de herbicides, avec les mêmes concepts y les mêmes effets. Otra importante aplicación es eh, la aplicación de Basforia Espira para el aumento de rendimiento. Un deuxième, troisième o quatrième efect que nous eh, pouvons trouver pour le c'est pour améliorer euh, le rendement. L'augmentation de carga charge productive, ce que va faire, c'est provoquer un agotamiento a la planta y eso es un tipo de stress. Oui, quand notre arbre, surtout au niveau fruitière, c'est très chargé avec beaucoup de production, beaucoup de fruits, à la fin, l'arbre sera fatigué, et nous aurons quelle typologie de stress. Esto ocurre, por ejemplo, en hortícolas o cultivos como el aguacate, que son muy exigentes. La dosis, aquí tenemos que incrementar, subimos al 0,3 o al 0,5%. Y si, en culturas como la voca, tierra o cultura marruchera, que es una agricultura intensiva, para luchar contra el estrés, debemos aumentar el dosage hasta 0,3 o 0,5% de los bouillons de la aplicación. Lo ideal aquí sería trabajar con diferentes aplicaciones, al 03 por ejemplo, entre 2 a 4 aplicaciones por ciclo de cultivo. Y si, el más ideal escenario es trabajar entre 3 a 4 eh, aplicaciones por cada ciclo de cultivo. Y todo ello foliar. Un ejemplo de tratamiento, pues en hortícola se trabaja muchísimo, donde aumentamos rendimientos en producción. Sí, oui. eh, es importante de decir que los productos que trabajamos a nivel foliar... Y si podemos comer de diferentes recetas de diferentes culturas, en este caso de culturas más para aumentar el rendimiento. Vale. Otro ejemplo de aplicación de basforiar espira es como antiestrés frente a altas temperaturas. Otro posicionamiento de es para hacer la lucha a causa del estrés de, de las altas temperaturas. Cuando tenemos altas temperaturas, eh, ocurren diferentes procesos en la hoja. Uno de ellos, al principio, antes de que se produzca el cierre de estómago, las proteínas de la membrana empiezan a bailar y ya la fotosíntesis no actúa bien. Oui, sí, hasta la fermatura de los estómagos, cuando hay mucha calor, las proteínas se a desbalancear y a partir de eso la fotosíntesis no es capaz de hacer el mejor rendimiento. Cuando eso ocurre, el ácido acísico sube y es momento de hacer la primera aplicación porque el ácido acísico cierra estomas.

pero qué ocurre después cuando el estómago empieza a cerrar, la planta empieza a generar electrones sueltos, que es la, la oxidación celular, y ahí solamente empieza a actuar Espira. Cuando los estones son firmes, se comienza a activar ese electrón. Y es el momento en que comienza el estrés y es en U la basofilia Espira, y le es capaz de activar la resistencia a ese estrés. Ahí basofilia Espira actuará con los polifenoles y vitaminas como antioxidantes. Y si en este momento, la espira va a trabajar gracias a los polifenoles que son con el efecto antioxidante. Por otro lado, la espira, gracias a la prorina, el aminoácido, conseguirá mantener más tiempo abierto lo que es el estómago. Y gracias a la prorina, podemos pouvons el estómago abierto el más tiempo y el tercer punto importante, por eso es completo el producto, que el equilibrio hormonal lo que va a hacer es que la auxina active la bomba de calcio, de protones, y la, la citoquinina active la apertura estomática. La auxina va a activar la bomba de calcio y la citoquinina va a activar la apertura estomática. Consiguiendo así que durante todo el ciclo, baforear espira esté protegiendo a la planta en nuestro estrés térmico, mientras que el ascofilum no solo haría la primera parte y no el resto de cosas. Sí, es por eso que podemos trabajar todos los ciclos con el estrés de calor, con la espira, en comparación con el ascofilum que se posiciona solo para disminuir el ácido abscísico. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando aplicamos la fría de espira, reducimos la temperatura de la planta porque el estoma se mantiene más tiempo abierto ici nous pouvons voir avec un camara chromographique que quand nous travaillons espira les stomates s'ouvrent plus longtemps esto se traduce en que si yo hago una aplicación en el campo aumento lo que son los rendimientos et à fin, y a la fin le resulta que hay beaucoup plus de rendement et beaucoup plus de de production ¿Por qué? Porque cuando la planta se para, el estoma se para, el floema, el movimiento en floema de nutrientes y de azúcar no va bien. Porque cuando la planta y una interrupción, ¿tiene el transporte de nutrientes a través del fluema o si se hace la interrupción. Por ejemplo, la aplicación de vasfolia de espira, aparte de aumentar producción, lo que conseguimos es aumentar grados Briggs. ¿Por qué? reducimos el estrés y el azúcar se mueve mucho mejor, se sintetiza mejor y se mueve mucho mejor lo que es la planta. También podemos obtener el efecto de aumentar el taux de sucre, la coloración, porque con más estrés, el transporte de, stress, le transport de le sucre, oligosacar y potás es más fácil. Si ahora vamos a otro tipo de estrés, que es el estrés eh, por acciones fúngicas, aquí el concepto es el siguiente: cuando yo tengo una enfermedad, la enfermedad siempre va asociada a una carencia nutricional. Y o sí. Y es para relacionar la base foliar espira con el tratamiento fitosanitario. Porque quand cuando tenemos un champignon, en este caso, se asocia a un manque de certains alivio. Por ejemplo, en el caso del oidio, cuando hay presencia de oidio, el aminoácido se baja en la planta. Y si hacemos aplicaciones de fitosanitario junto con base foliar espira, damos más fuerza a la planta para que aguante mejor la enfermedad. Si trabajamos con el fungicidio con la espira, podemos mantener la resistencia para hacer la lucha después del estrés del tratamiento fitosanitario. Aquí la dosis que estamos trabajando junto con fitosanitarios es al 0,3%, buscando que la planta tenga una energía para poder aguantar la enfermedad. Y si en este caso, trabajamos con la espira con dosis de 0,3% con los fitosanitarios, pour garder la planta plus resistente après le estrés del tratamiento fitosanitario et de l'attaque de champignons. Si ahora entramos en otro concepto, que es la parte nutricional, aquí tiene un concepto muy importante que esto aparece mucho en muchos cultivos. On va parlementer de l'épositionnement nutritionnel spécifiquement de Uno de ellos es el cuajado, ¿por qué? En el cuajado lo que ocurre es que está muy marcado por la prolina en la planta. Ici, dans les aminogrammes, il y aquí es muy importante porque, como nos habíamos dicho al principio de la exposición, en los aminogrammes hay un buen nivel de proline y la nuesión muy relacionado con el taux de proline. Al final, el cuajado se basa sobre todo en tres partes: una parte hormonal, una parte nutricional y una parte a nivel de aminoácidos, de estrés. ¿Por qué? Porque la prolina, cuando, por ejemplo, esto es en cítricos, en una planta, en un, en una, en un árbol, cuando está cuajando en los meses de máximo calor, la prorina, que es la que regula el estrés hídrico, está mínima. Y si très importante, es un ejemplo de la cultura de Sagrum, cuando en euh, el momento phénologico de la nuisance, que hace la coincidencia de de mucho más de calor, por el estrés de la calor, el taux de prorina hace beaucoup de diminution. Por tanto, cuando aplicamos aquí vasforia respira, al 0,5% es necesario subir la dosis. Lo que estamos haciendo es dar fuerza a la planta para que regule mejor el sistema y mejoremos cuajado. Es por eso que en el momento de la nuez, debemos devons monter un poco el dosis hasta el 0,5% de, de Et pour ou la bujón. Y es el momento para reactivar o mejorar la nuez, porque hemos dicho que la nuez depende de elementos nutricionales, como el borde, el de equilibrio hormonal, como la gibberellina, y también de la acción de la y de la prolina. Un ejemplo de la situación de la proline Un de la de la prorina, eh, es que cuando aquí arriba veis la caída de fruta de una mandarina, los picos de caída, y abajo los picos de temperatura. Ici también podemos relacionar el momento de la chute, de la chute de la fruta, con la calor. Es decir, con mucho más de temperatura, hay mucho más de chute, mucho más de parte de recolta, y podemos compensar eso con la aplicación de basfolia respira gracias a las citaminas específicas para Esto ocurre que cuando hay un pico de temperatura muy grande, hay un pico de caída muy grande. ¿Por qué? Porque estamos en unos meses donde la plorina que regula el estado hídrico de la planta está nula. Por eso es importante ayudar con basfolia respira. Sí, oui, hay una relación que cuando el prolines son a un nivel va, hay muy altas temperaturas, los de chute, es mucho más grande. Es por eso que no debemos intervenir con Espira. Y aquí veis el aminograma de la planta y el aminograma de la Espira. Prácticamente son idénticos. Por eso la Simila muy bien. Sí, oui, aquí para mí, esta foto es muy importante porque el objetivo de Espira ha sido desarrollado. O reproducir un aminogram muy parecido al aminogram natural que ya doy en la planta. Porque es la concentración y la tipología específica por cada momento. Es por eso que espira va a reforzar el aminogram natural que ya doy en el interior de cada cultura. Y ejemplos, por ejemplo, en el olivar. En el olivar trabajamos el basforiarkel, aplicamos la oxina para el cuajado y basforiar espira como una parte nutricional equilibrada anti estrés. Y con ello mejoramos mucho el cuajado en cultivos como el olivar. Otro ejemplo es, por ejemplo, en la viña, donde hacemos una aplicación de un fitosanitario junto con basforial espira al 0,4 y 0,5%. Con ello mejoramos el aumento de grados BRICS, el peso medio por racimo y el número de uvas por racimo. Y si es la misma cosa, nosotros trabajamos en la cultura de la viña, en la razón de la table, el tratamiento fitosanitario con la base foliar espira para mejorar el rendimiento y también el poids de cada rap. En el caso de la viña, es muy importante porque el oidio baja el aminoácido en la viña. Si llegamos al cuajado con muy poco aminoácido, con muy poco plorina, la caída de fruta es mucho mayor y es importante reforzarlo Ici, c'est très important parce que les principales, les deuxièmes eh, maladies fugiques de la raison d'état, c'est l'oïdium. Et quand il y a une attaque d'oïdium, les niveaux d'acétaminé font beaucoup de diminution et nous devons compenser pour monter les niveaux de proline. Autre exemple d'application nutritionnelle est junto avec éléments nutritionnels. Un dernier point sur le positionnement nutritionnel, c'est de mélanger avec les éléments purement. nutricionales, como puede ser el potasio. Un ejemplo es junto con potasio, silicio o calcio. Cuando hacemos la combinación de cada uno de ellos, en el caso del potasio buscamos aumentar calibre o grados si Aquí podemos ver de diferentes experiencias o diferentes ensayos, donde sabemos trabajar los productos con el calcio, el potasio o el silicio para ayudar a las transportes y movilización de la espira con los elementos nutricionales. Porque el potasio va floema-silema eh, y mantenemos lo que es el sistema activo de movimiento. Oui, sí, sepas que en el caso del eh, potasio, el transporte, el chemin, es silema-floema y nos guardamos activo ese chemin gracias a la energía que nos ayuda la espira. En el caso del calcio o del silicio, para mejorar problemas de piel, cuando hay un estrés, ellos van por silema. Se cierra el silema y falta calcio o silicio. Con esta aplicación mejoramos como antiestrés y mejoramos el movimiento del calcio y silicio para mejorar problemas de piel. Y como el silicio y el calcio son elementos estructurales, para mejorar y evitar todos los problemas que hay asociados a la piel. Aquí las dosis que estamos hablando son de 0,3%, 3, 3 litros para 1000, y hacemos una o dos aplicaciones por cultivo o incluso alguna más. Aquí, para mejorar el transporte, en el último etapa fenológico del reconocimiento, normalmente trabajamos en dos aplicaciones con un, un dosis de 0,3 con el elemento foliar que queremos trabajar, el les potasio, el calcio y el silicio. Basfoliar sí. expira siempre esa aplicación foliar, es como mejor rendimiento tenemos. Es un producto 100% foliar, siempre es foliar. Como resumen, al final, en, el, en raíz, cuando iniciamos cultivo siempre tenemos que trabajar con eclonia máxima, basfoliar kelp, Comme nous avons dit en résumé, dans tous l'état états phénologiques, les clonias c'est un produit que nous pouvons travailler pour développer au début de la saison les systèmes racinaires. En développement végétatif, l'idéal serait de travailler avec ascofilum nodosum, parce qu'à final, je busco faire hoja. Dans les croissances végétatives, comme nous avons dit, l'idéal, c'est de travailler l'ascofilum parce que c'est le moment où nous voulons focaliser tous nos efforts dans la feuille. En floración, a nivel nutricional, me centraría en, en clonia máxima, basforia kelp, y en cuajado podría hacer la combinación de clonia máxima junto con basforia respira. En la floración la mejor solución en el gran grupo de las algas, podemos trabajar o debemos trabajar travailler la clonia. Y para améliorar la nuescencia, los microalgos, como nos habíamos dicho, sobre todo para los contenu en proline, la basforia respira es una buena solución para trabajar específicamente en el moments fenológicos de la nuescencia. Para el aumento de calibre y mejorar aplicaciones como el calcio, potasio silicio, puedo hacer aplicación de vasoforia de espira en momento de desarrollo de fruto. En los momentos del engrosismo, como hemos dicho, hay dos opciones, que son el ascofil o nodosum o el microal, porque los dos son capaces de transportar y movilizar los elementos como el calcio, el potasio o el silicio. Y para mejorar maduración, cambio de color o acumulación de azúcares, ya podría trabajar con Basforia Espira o con Eclonia Máxima. Y para finir el etafenológico en los últimos momentos del engrosamiento y el de es posible trabajar con este o si le Eclonia. Este es el resumen nutricional y luego estaría el factor antiestrés, que es cuando la planta tenga un estrés, sería aplicar Basforia Espira. Y si se le resume a nivel nutricional. Dans un cycle phénologique basique. Et avant, nous avons parlé de tous les, de tous les positionnements anti-stress. Mais à la fin, le résumé, c'est que c'est un produit, que c'est un nouveauté, parce que c'est à base de micro C'est un produit à niveau de contenu des, des acétaminés, d'équilibre hormonal avec en relation 1-1 aux incitokinines. Aussi, les produits, ils contiennent les vitamines et polyphénols. Et c'est un produit avec un double. efecto o posicionamiento nutricional y antiestrés. Paso a sí. quieres comentar sí, sí, algo sí. más. En, ou... en el caso, voy a aprovechar la oportunidad también de reforzar y presentar un producto que creo que conocéis algunos, es Invelope White protect que va un poco en la línea. Y sí o sí, por reforzar la presentación de productos, diferentes productos de recherche, pour ganar, pour hacer la lucha contra diferentes stress, que es el gran desafío hoy día de la agricultura. José Carlos va parler maintenant de enveloppe que est un produit pour faire la lutte contre la coupe du soleil. Notre produit, Invelo Protect est un talco qui en en est enregistré en écologique et en biodynamique. C'est un produit à base de talc, c'est la Rochelle naturelle, de l'origine de la source que nous travaillons ici en France, et c'est un produit certifié comme produit bio-éco. El producto se caracteriza porque tiene una partícula muy fina, eh, tiene una capacidad de cubrición muy alta, no afecta la fotosíntesis de la planta y, por tanto, para plantas jóvenes es muy importante y facilita eh, la capacidad de reducir la humedad libre de la superficie. Sí, oui, es un producto. Aprendemos a comparar con los concurrentes, son los productos classiques como el caolin. Nos podemos ver la diferencia: que las partículas son muy finas, son como un Aussi, eh, la capacité, grâce à cette nanoparticule, la capacité de couverture, c'est beaucoup mieux c'est plus facile. Grâce à ces nanoparticules, la photosynthèse n'est pas finie, n'est pas interrompu parce que la lumière peut entrer dans un niveau suffisant pour continuer. Et aussi, eh, c'est capable de réduire aussi l'humectation grâce à la grande couverture que nous faisons sur la surface de la feuille ou de la fruit. Por ejemplo, si comparamos la partícula de un talco de envelope White Protect junto con un carbonato cálcico, lo que podemos ver es la capacidad de cubrición en la hoja. El talco envelope White Protect cubre toda la superficie, como podemos ver aquí, mientras que el carbonato cálcico deja huecos y, por tanto, el efecto es menor. Sí, gracias al detalle de la partícula, envelope White Protect es capaz o es sea, más capaz. De hacer una buena cubertura, de llegar a cubrir toda la surface de los órganos objetivos, la fe o la fruta, en comparación con un carbonato cálcico. Es importante comentar también que el producto no daña la maquinaria, como diferencia de otros productos como el carbonato cálcico. También gracias a la taille de las particules, un otro avantage que podemos tener es que vamos a evitar los bloques o los problemas que hay con las maquinerías de aplicación, cuando trabajamos un producto convencional, que siempre, euh, por la tamaño de los granos o de las partículas, podemos tener problemas de, de bloqueo y se cachar la máquina. Es importante decir que es estable en suspensión, que es fácil de manipular y que no da problemas de sedimentación porque está específicamente desarrollado para la aplicación foliar. Sí, es un producto estable en suspensión y es capaz de mélanger. Et avec esos productos y sin de porque se focaliza en la aplicación foliar. Los modos de utilización del producto, por un lado, es como estrés térmico, es una barrera física, donde lo que vamos a hacer es reducir la temperatura de la planta y, por tanto, eh, aumentar lo que es el rendimiento de lo que es el cultivo, evitando también daños por insolación. Oui, el posicionamiento más importante es hacer la lucha contra el estrés eh, térmico, es reducir los daños a causa de la gran intensidad de luz, es decir, es disminuir las cúpulas de sol y también evitar eh, la interrupción de la fotosíntesis para eh, llegar a la récolte con un buen nivel de producción. La dosis de aplicación sería el 5% o 50 kilos por hectárea y la segunda aplicación, como tiene un efecto acumulativo, podríamos reducir la concentración al 2,5% o seguir al 5%. Sí, oui, normalmente nos recomendamos hacer dos aplicaciones, la primera con un gran dosis, 50 kilos por hectárea, pero después, como el producto trabaja con un efecto acumulativo, eh, podemos trabajar con un dosis y disminuirlo hasta la mitad, 25 kilos por hectárea. Otra aplicación, otro ejemplo de aplicación es como barrera física frente a plagas o enfermedades. Aquí lo que vamos a buscar es eh, reducir la puesta eh, de insectos, la colonización, como por ejemplo moscas blancas o mosca de la fruta, y reducir la humedad relativa para enfermedades como alternaria. Y también podemos hacer la lucha contra los o los insectos, porque vamos a crear una barrera física gracias a los componentes estructurales de los talcs, y va a dificultar la penetración e instalación de insectos o de fungívoros. Es una acción preventiva. Ejemplos acción preventiva. Oui. Ejemplo de aplicación, por ejemplo, manzana o encaqui, eh, frutales. Eh, cuando hacemos la aplicación de Invero White Protect, podemos bajar la temperatura máxima hasta 5 grados y la temperatura media hasta casi 2 grados. Ici, podemos voir que, a nivel de disminución de temperatura, podemos diminuir hasta 2 grados en comparación con los témoins. Es por eso que, como nos hemos dicho, gracias a la taille de los grados, podemos diminuir mucho la en la temperatura en el interior de la planta. Y ejemplo de aplicación para aumentos de rendimiento, por ejemplo, en tomate de industria, en extensivos, donde podemos aumentar el número de tomates, es decir, reducimos el daño por el sol en tomate. Y si nos podemos ver también por eh, una cultura muy importante que se exposte en el sol, como pueden ser las tomates industriales, para mejorar el rendimiento, porque no vamos a interrumpir la fotosíntesis. O en cultivos como en cítrico, donde podemos ver la distribución del producto eh, y reducimos la temperatura de la planta, aumentamos el rendimiento y es muy fácil de lavar luego en cámara. Y también es muy importante en los de sagrón, sobre todo porque es muy fácil de limpiar, es decir, no un producto que te va a marcar de comer la fruto. Es importante con esto a cabo decir que el producto es inerte, por tanto yo puedo hacer una mezcla con un nutricional Ou con cualquier type de productos que no va a dar problemas, salvo con aceites y oui les produits c'est inertes c'est grâce à, à cet effet les produits mélangeable avec tous les produits nutritionnels foliaires et tous les produits phytosanitaires sauf les produits à base d'huile c'est les seule typologie de, seul de produits que nous devons éviter de mélanger y pour mi parte muchísimas gracias agradecer a Íñigo la traducción y agradecer a todos vosotros pour estar aquí también

Positif d'y les contacts d'y ou d'y M. inigo ou nous le code qr les faits comme télécharger ou l'application compo expert code qr اللي عنده بورتابل يقرب ويدير كيو ار ولا ي... ولا من تما نيتي اه اسمح لي مازال ما درتهاش هذه لابليكاسيون ديال كومبو اللي عنده اندرويد ولا اللي عنده ايفون في لي دو كاينين فالكيو ار هذا هو اللي غادي غادي زومي وياخد الكود هنا كاينين جميع البرودويات ديال الكومبو كاين حتى لي فيش ديال تكنيك وفيش ديال سيكوريتي حتى لي فيديو اشهاريه كاين حتى باللغات جميع اللغات الانجليزيه الفرنسيه الاسبانيه وهاد ندوزو الكونتاكت ديالنا التواصلي ديالي وديال انيغو ف المعلومات ديالنا اللي باغي اي حاجه تواصل معنا لا بالتليفون ولا بالايميل دابا ندوزو الاسئله والنقاشات فغادي تفضلوا معنا اكيب ديال كومبو اكسبير باش يجاوبوا ان شاء الله على الاسئله ديالكم رامون تامين لو يامو رامون فور Je oui. vous ces, ces mots. Euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, je me présente, Kibir Sidi Mohamed. Euh, je suis le directeur technique de la société Art Universe. Je veux remercier euh, premièrement pour euh, votre invitation et je vous félicite tous pour la qualité de votre exposé. Sincèrement, je suis ravi euh, d'être parmi vous aujourd'hui euh, pour ce séminaire parce que c'est une occasion précieuse de partager des connaissances avec la profession et surtout avec les chercheurs ici de Complexe Horticole de Gadir. Alors certes, Compo est une société leader et pionnière en matière de formulation et de fabrication des fertilisants. Et vraiment, la qualité des produits exposés aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors, je voudrais poser une question concernant les essais que vous avez menés ici au Maroc. Est-ce que vous avez mené des essais Si oui, quels sont les résultats et quelles sont les implications sur alors, les cultures soi-disant potentielles qui présentent un avantage pour notre pays Oui, tous les, tous les produits. Tout d'abord, eh, merci beaucoup, eh, Simon, pour votre eh, félicitation et pour votre eh, question. Oui, tous les ici il y a des sujets pour moi qui sont très importants à dire. Tout d'abord, nous avons travaillé tous les produits au niveau d'essai ici au Maroc, oui. Au contraire, je ne peux dire, dis-moi quelle culture, quelle région, si au nord on l'a, si ici au sud on l'a, si on... Fruiro, son avocatier, nous pouvons partager notre connaissance parce que sont tous les produits que nous avons travaillé, nous avons déjà développé au niveau d'essai. Et aussi pour moi, le deuxième point que je vais insister pour moi, c'est très important. Tous les produits, à la fin, va, ou sont déjà commercialisés ou nous allons commercialiser dans les eh, législations et au niveau des homologations et enregistrements. Que pour nous, c'est très important de protéger la notre marque, protéger aussi et les business et l'image de notre collègue, de notre partenaire, et, et tout c'est déjà développé à niveau d'essai, et aussi tous les produits, au sens déjà, on sera dans les classements d'enregistrement que les produits doivent être. Merci, euh, professeur Ramatallah du complexe horticole d'Agadir. Bon, vous savez plus que moi que la nutrition, ou bien l'alimentation des plantes et la protection des plantes, elle est au centre maintenant des préoccupations. Pour répondre bien sûr aux exigences réglementaires qui sont devenues très très strictes pour répondre un petit peu aux enjeux économiques, sociétaux. Écologique, la démarche qualité aussi. Et à travers un petit peu vos présentations, bien vos exposés, je vois que votre société Compo Expert il a brossé pas mal de choses très intéressantes. Donc, pour répondre un petit peu à ces défis et répondre aux attentes un petit peu de nos agriculteurs et de nos professionnels, à travers soit vous-même, soit à travers vos distributeurs. Je sais qu'il y a des distributeurs au Maroc, et je les félicite aussi pour l'effort qu'ils qui, qui, qui déploient pour répondre un petit peu aux attentes des agriculteurs, d'accord. Et donc votre gamme, donc ça commence des engrais, des fertilisants, beaucoup plus euh, des biostimulants, ce qui m'a marqué un petit peu aussi les anti-stress pour répondre un petit peu que ce soit abiotique pour euh, tout ce qui impacte changement climatique, donc le gel, l'augmentation des chaleurs, le coup de soleil, aussi pour en quelque sorte biotique, donc à l'attaque des bioagresseurs, ça c'est très important aussi. Et vous avez fini un petit peu aussi pour tout ce qui est beaucoup plus des anticorps entre guillemets pour la plante, pour un petit peu le porter au secours, les auxines et tout ça, les cytokinines. Ça c'est très important aussi. Ce que maintenant Beaucoup plus la profession cherche et beaucoup plus les marchés cherchent un petit peu à travers un petit peu l'évolution des choses de notre société, de notre façon de vivre. Ça, c'est très important. Donc, je vous félicite et je salue les efforts de vos experts pour travailler dans ce domaine. Donc, c'est très important ce que cherchent un petit peu nos professionnels, nos agriculteurs. Moi, je ne suis, je suis pas agriculteur, mais je vais mettre à la place de nos producteurs. Donc, je veux mettre à la place d'un agriculteur qui a quelque chose, donc qui veut développer ou bien qui a la production. Donc, la première des choses, au niveau de tout ce qui est pH, de l'eau, parce qu'il y a des produits que vous avez utilisés au niveau de la fertigation, vous savez que, plus que moi, donc, vous savez que nous avons des eaux calcaires des eaux riches en calcium, donc des, des, des eaux dures, au niveau des pH aussi, est-ce qu'il y a une compatibilité ou bien il faut une correction des pH pour vos produits Ça, c'est une question pratique que, que je me mets à la place d'un agriculteur. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est beaucoup plus liée au domaine de post-récolte. Vous savez que plus que moi, nous avons... Le Maroc exporte des produits, par exemple les agrumes, les fruits rouges. et Vous savez plus que moi que nous avons des pertes au niveau de post-récolte. Est-ce que les, ce que vous avez présenté un de vos collègues, est-ce que par exemple vous avez essayé, par exemple, sur des, des agrumes en post-récolte des produits, pour que, parce qu'ils vont voyager beaucoup plus. Souvent à l'étranger, beaucoup plus ils mettent beaucoup de temps pour arriver. Est-ce qu'il y a en quelque sorte une démarche ou bien des essais qui ont été effectués, que ce soit au niveau par exemple des agrumes, que ce soit au niveau des fruits rouges Je vais me contenter ici pour laisser d'autres collègues de poser des questions. J'ai des questions, mais je vais me contenter ici pour laisser à mes collègues de poser des questions. Et je vous remercie encore des efforts déployés. Parce que vous êtes à la pointe maintenant de l'expertise et ce que demandent un petit peu nos professionnels actuels et au, au futur. Donc, comme ça a été soulevé par madame, donc c'est le développement, le sustainable, le développement durable, ça c'est très important. Merci. Merci beaucoup et merci à vous pour votre intervention, je vais dire. Y la segunda pregunta es si tenemos soluciones por recol, sobre todo para sí. cultivos como naranja y frutos rojos que al final hacen un largo transporte y en ese transporte pues hay muchas pudriciones y hongos derivados. Estamos en ello. Sí. Bueno. Te lo digo y tú lo. Vale. Sí. Eh, bueno, claro, claro. sí que, eh, para el tema de la acidificación. Sí. Por el sujeto de la acidificación, yo voy a comenzar por la. Mais euh, spécialement calcidique, c'est plus, plus acide. Tous les produits que nous avons goutte à goutte, le, la gamme que nous avons parlé aujourd'hui, Acafos, il est capable ou il contient l'effet acidifiant grâce à la c'est acide. Mais surtout, surtout, si nous voulons une gamme spécifiquement pour finir ou pour améliorer les problèmes de la salinité, c'est la gamme Acafos calcidique. Se la gama del NPK a vegle calcium. Eh, y especialmente esos, esos productos, o sea, yo también soy agricultor, ¿vale? Y eh, tengo in, invernaderos de, en Almería. Y especialmente esos productos fueron desarrollados para los cultivos hortícolas. Por ejemplo, para un tomate, para un pimiento, para un Muy calabacín. Bien. Son fórmulas ideadas. Et notre collègue Javier il a dit qu'il est, il est agriculteur, et il habite à Almeria, et il et sa famille développe les cultures maraîchères sur serre. Il nous a dit que la gamme Acaphos a été développée avec la intention spécifique de cette région, qui s'est très à Agadir. C'est une culture intensive sur avec beaucoup de stress à cause de salinité. Et ce sont des formules spécifiques pour aider à les cultures à chaque moment phénologique. Mais aussi, à le montant, pour éviter et pour nettoyer tous les sols de, de sodium et de problèmes à cause de sa salinité. Et, et la seconde partie, pour la post-recoil, eh, la post-posecha, <inaudible> Nosotros tenemos eh, un producto específico, bueno, alguno, alguno más, para mejorar la vida post cosecha. ¿vale? Sí. En concreto, clica, ¿no? hice, sí, sí. podemos mejorar la vida post cosecha hasta 10-15 días en óptimas condiciones, en verduras, ¿vale? y, en, y en fruta hasta 30 días, reduciendo pudriciones. Oui, en concernant le deuxième point, les deuxième question avec tous les problèmes qu'il y a à cause des transports eh, post-récolte, nous avons un produit, nous sommes en train d'homologuer, eh, le produit s'appelle Vitanica Silicium, c'est un produit à base de Eclonia et Silicium, et c'est un produit que nous avons déjà expérimenté dans d'autres pays, régions, nous avons l'expérience que nous pouvons jusqu'à expandir ou prolonger 15 jours dans les cultures maraîchères, la, la vie après-récolte, jusqu'à 30 jours dans la fruits, comme peut-être l'avocatière, les fruits rouges des agrumes, et nous pouvons diminuer jusqu'à 15% tous les problèmes qu'il y a à cause des pois surtout les pénicilliums. Si hay il hay y a carence, il y a des trous. Et ces trous, quand il y a de la maturation, génèrent du gaz et font que ça maturise plus rapidement. Donc, de la maturation jusqu'au final, c'est important. L'application de la folie de calci et l'application de la radicule de calci. Oui, aussi c'est très important, ce n'est pas seulement de focaliser dans les derniers étages phénologiques pour éviter des problèmes post-récolte. Nous devons commencer à travailler avec le calcium ou le silicium, qui sont des éléments constructifs pour renforcer la paroi cellulaire lors les moments de la nourrissance. Parce qu'en ce moment, nous pouvons remplir les espaces qu'il y a. C'est comme faire en paroi quand nous faisons la construction de la notre maison. C'est un élément constructif. Et nous devons commencer à protéger la plante pour éviter la tour dans les nourrissants. Oui, c'est très important à dire, à partager les points que comment le directeur général Ramon. Cette technologie a été développée spécifiquement pour les notre collègues de l'EMTT, de la filiale de Composper Chile. Chile, c'est le, le pays plus âgé, c'est le plus loin, les distances et les. Chile, c'est le pays eh, particulièrement, oui, spécialisé dans la production de fruits plus que des cultures maraîchers. C'est les, les cultures eh, comme peut-être les fruits rouges, la région d'étable, la pêche, la nectarine, c'est-à-dire la fruits il, il doit traverser tous les mondes avec les transports dans les conteneurs de 40 jours. On les problèmes de la pré-récolte, c'est le principal problème. Et cette technologie a, dé, a été développée spécifiquement là-bas pour solutionner ce problème qu'il y a qu'il y a là. D'autres questions Bonjour. je suis chef du département d'horticulture au niveau du complexe, au niveau de Hassan 2 Alors, je vous félicite, comme a dit mon collègue si là Je sais que c'est un problème. Moi aussi, je m'intéresse beaucoup. Je suis le professeur qui donne le cours de physiologie de stress. Donc, je m'intéresse beaucoup à ces aspects environnementaux, ces aspects qui sont liés vraiment à trouver des solutions. Pour, pour contrarier et pour solutionner les problèmes que suppose au niveau du Maroc. Donc tout d'abord, je vous remercie pour l'effort que vous avez fait, vous êtes déplacé. Je vous remercie aussi pour l'invitation, bien sûr. Et euh, j'ai rien à dire à propos des recherches, etc. Bien sûr, il y a des efforts qui ont été faits. On les voit. On a, on a, des, on a des ingénieurs avec vous qui, nous, qui étaient nos étudiants, donc on sait que vous faites des efforts. Tout ce que je voulais peut-être euh, apporter, c'est euh, il y a certains aspects qu'on n'a pas vus sur l'exposé. Par exemple, il y a un grand problème de transplantation sur lequel vous ne mettez pas l'effort. Le, la transplantation pose un grand problème, surtout pour les sujets de. Vous savez que le Maroc ne fait pas que les cultures et les légumes, mais il y a aussi des plantations d'espaces verts. Et, et ça, ça pose. Si vous sortez juste à l'extérieur de l'IAV, quand vous sortez, regardez les palmiers phoenix Canariensis, 6, qui est juste allé à l'extérieur. On l'a remplacé trois ou quatre fois. C'est un projet qui n'a pas marché. J'avais parlé avec les planteurs quand ils étaient là l'année dernière, au mois d'août. Mais ils ont, euh, disons, les gens ne sont pas conscients des grands problèmes que vous, vous savez, et qui normalement se posent. Et on avait les, les chaleurs aussi qui sont passées cette année qu'ils ont brûlé tous les ficus. Normalement, les ficus microcarpas, c'est un plan qui résiste, c'est un plan qui absorbe l'eau par l'extérieur. Mais malgré tout ça, il y a eu le problème. Puis, il y a aussi les problèmes d'aménagement au niveau des zones côtières. Mohamedia, Casablanca, il y a les métaux lourds, il y a les problèmes. Moi, je pense que ces solutions que vous donnez peuvent apporter beaucoup de solutions à ces gens-là. Les métaux lourds, par exemple, la région de Mohamedia pose problème. La région de Tmara, les, les plantations. De, le Maroc, il a des côtes, il a des plantations, il a des zones. Il y a l'horticulture aussi, il n'y a pas que les, que les plantes qui sont, qui sont au niveau des, des, des espaces verts, mais aussi des plantations fruitières, comme vous avez dit. C'est très important. Et quand il y a les stress, et les stress il y en a des, divers types de stress. Le stress salin, il y a les métaux lourds, il y a, les, il y a le climat, etc. Et donc, ça pose problème, c'est très compliqué. C'est très facile de dire qu'on a des solutions, on a des, des apports, mais nous, on reste euh, là pour donner des, 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 des informations. Il faut, il faut, il faut peut-être savoir les conditions dans lesquelles ces, ces essais ont été faits. Il y a l'effet variétal, il y a fait, Par exemple, vous passez d'une plante à une autre dans une serre, vous avez un changement totalement. L'exemple de Taylor on sort, on fait une sortie à 8h, heures, 8h30. Heures et à 11h, je mesure les températures à l'intérieur, ce n'est pas comme, comme juste à l'extérieur. Donc le problème de variabilité des de variétés, le problème de comment les effets se font sur les plantes, parce que les, les effets sur les, les arbustes, ce n'est pas comme les effets sur les arbres, ce n'est pas comme les effets sur les herbacées. Quand je prends par exemple la question d'agrumes, il y a une question qui était posée, est-ce que vous aviez fait des travaux sur les plantes qui nous intéressent au Maroc, surtout les... Les productions d'agrumes, les, bon, les tomates, bon, on voit, c'est déjà fait. Et les fruits rouges, où on s'est connu. Mais on a aussi beaucoup de, de zones fruitières. Meknes, c'est une zone fruitière. Et donc, euh, si je prends le, juste le cas d'agrumes, actuellement, les agrumes ont des problèmes de qualité. Euh, le jour où on a introduit certains porte greffes on a rajouté d'autres problèmes aux producteurs. Ça veut dire que c'est très délicat d'avoir la, la qualité qu'on avait avant. Avant, on greffait sur le bigaradier. Maintenant, on greffe sur d'autres protogreffes. Et si vous savez comment, vraiment, suivre les techniques d'irrigation, faire attention à la culture, vous pouvez toujours avoir le rendement et la qualité, bien sûr. Mais, si vous ne faites pas attention à ça, il y a des problèmes de euh, production de fruits qui sont comme des lièges. ce n'est pas vraiment de fruits juteux. On a produit, on a... On a le taux de jus baisse beaucoup, mais c'est d'après de la technique. Donc, tout ce que je voulais rajouter à votre exposé. Je vous remercie beaucoup. Je sais que c'est délicat, mais seulement euh, nous, euh, on, sait, on, on, est, on a soif de, de savoir. On veut toujours connaître les conditions dans lesquelles ces essais se font. Mais en fait, les biostimulants, c'est important. Les auxines aussi. Bon, on a travaillé sur les hormones et on a travaillé. Et on sait que c'est très important. Mais seulement, moi je pense qu'il faut aller au-delà, avoir des fiches techniques, des fiches d'application, être en plus contact avec les producteurs, savoir à quelle culture ça, ça va être fait. Et, et ça, c'est des choses que je voulais juste mettre pour la discussion seulement. Mais je n'ai pas les solutions, bien sûr. Moi aussi, j'apprends. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. No, no

Et Hassan Bougiri Société agri -Vivos. Donc, euh, merci équipe Combo-Expert pour cette invitation. Donc, j'ai une question au docteur Hanan, euh, donc pour madame Hanan. Euh, je suis ici. Donc, euh, ça concerne le, le travail qu'il a fait. Je suis ici, madame, en bas. En bas, en bas, en bas. Je sais qu'elle regarde. <laughs> Je sais devant vous. J'ai une question concernant euh, la, la recherche que vous avez faite, surtout pour euh, les analyses du sol. Est-ce qu'elle a été faite dans les sols espagnols ou bien dans tous les sols au niveau de l'Europe Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous avez fait des conventions avec des centres de recherche ou là, des universités ou avec des professeurs et ma troisième question, est-ce que vous pouvez faire le même travail au niveau de l'Afrique Voilà. Euh, la recherche des micro-organismes qui sont utiles comme ce que vous avez fait. C'est ça ma question. Merci. D'accord. Merci, monsieur, pour, pour uh, la question. En fait, uh, la première question, c'est est-ce que les micro-organismes qu'on a isolés. Euh, qu a isolés leur... Principalement, au niveau du compo expert, les micro-organismes qu'on a isolés, c'est au niveau du sol, des sols espagnols mais ceci ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à des collaborations avec d'autres centres de recherche et des universités dans le monde, c'est-à-dire clairement, il y a des zones où il y a des restrictions de l'utilisation, il y a des pays où il y a des restrictions de l'utilisation de ces micro-organismes, avec le pays, donc on est ouvert pour des collaborations. Mais les micro-organismes qu'on a cités, c'est au niveau des sols espagnols. Mais, une fois qu'on a développé le, 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 le produit ou la, la technologie, on a essayé dans différentes conditions, c'est-à-dire dans différents sols, que monsieur le professeur a illustré, on essaye de varier. À la il y a une différence, mais Déjà, dans le monde, il la faut pas se y a une différence, même la température, la qualité de la Donc, nous, même lorsqu'on essaie sur une plante, la tomate par exemple, on essaie, on varie les zones, dans le nord, l'intérieur, le, 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 le sud, pour varier les résultats, Ou pour combiner les deux questions on essaie d'établir une fiche technique de chaque produit qu'on a en Donc, comme les conditions, comme les expériences, les essais, les donnants. Et plus ils ont des questions, c'est-à-dire les clients ou les collaborateurs, plus on amplifie les recherches ou l'investigation. Para, para crearla, eh, nosotros nos hemos focalizado en el microorganismo y la planta, no tanto el suelo. La clave es la asociación del microorganismo con la planta. ¿vale? Sí. Sí. Y, y, y hemos encontrado un todoterreno ¿vale? que funciona. Et la majorie. Exactement. Donc, si vous faites de la recherche, puisque la première... Donc, maintenant, qui m'a la présentation, on s'est intéressé les micro-organismes associés à la plante, puisqu'on a une plante qui se développe dans des conditions extrêmes. Donc, on a cherché la rhizosphère autour de la plante. Mais, qui a fait la série de screening ou la sélection, je a sais pas. On cherche des critères agricoles donc, les micro-organismes, ont une large gamme d'activités, gamme de métabolites liée aux contaminants sur différentes conditions, elle peut résister à différentes ph, différents taux de ph, différentes salinités, le potentiel c'est-à-dire n'importe quelle condition, ou la majorité des conditions, les appliquées à micro organismes les produits, produit, elle s'adapte pas. merci. Nous savons quelques autres micro-organismes, plus bons pour l'azote, par exemple, mais non très bons pour toutes les situations. Et nous savons quelques autres micro-organismes, plus bons pour le potasse, mais non plus bons pour tout. Donc, notre sélection, c'est pour ça. Bon pour toutes les situations, mais non de plus, plus bons pour l'azote. Mesé le plus bon eh, pour le tout Et d'ailleurs, pour compléter, Javier, c'est pour ça qu'on a passé de l'utilisation d'un seul micro-organisme à un consortium de Mais avant de le consortium, il faut s'assurer qu'il y a une compatibilité. Mais entre les deux micro-organismes, il y a une synergie. La synergie, c'est-à-dire qu'ils travaille sur une ponctuation 5-6 sur 10. Mais après, ils travaillent pour que les filles plus potentiel ou c'est-à-dire la marche à l'activité ديالهم a أوسع. C'est Bonjour Ahmed Hajoui Société Promagri Maroc distributeur de compos depuis 2003. Donc ça fait bientôt 20 ans et nous avons travaillé avec ces produits, c'est des produits d'une excellente qualité, c'est des produits qui se confèrent au champ. C'est des produits avec lesquels on peut fidéliser des clients facilement. Je reviens à, à l'innovation du, de, de du range Magna. J'ai une petite question un peu pratique. Euh, y a-t-il pas un effet Parce que qu'ici au Maroc, on, on applique certains produits phytosanitaires en goutte à goutte, contre bactéries, contre champignons du sol, etc. Y a-t-il pas, si vous en avez pour le moment, y la question y a-t-il pas un effet sur les produits phytosanitaires sur, la, 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 la viabilité des bactéries une fois dans le, dans le sol. Les produits sanitaires à Les produits phytosanitaires. Les fain, phytosanitaires, des, des produits anti-champignons, anti-pithium, parce que le retinia, on, on applique pas mal de produits sur, euh, dans le système goutte à goutte, au sol. Merci. Je vous en prie, merci pour la question. En fait, si vous vous rappelez, la dernière slide qu'on a présentée, c'est la, la table, les compatibilités. Le, le, le cuivre flattable, pour le moment il, il y a pas c'est-à-dire il est incompatible mais les souches la, la gamma. Mais, a, de la gamme magna mais c'est-à-dire nous, compatible ou la ou la, non ou elle un effet contre les micro-organismes ou selon les produits, les, rangs, les, applique, les clients, le marché espagnol, il y a des différentes compatibilités, ou chouffne-le-la-table. Donc, chouffne-la-table, il y a l'information, le phytosanitaire, ou le produit X ou la Y, est-ce qu'il est compatible avec le produit Donc, le produit, est-ce qu'il est compatible avec les phytosanitaires Parmi les phytosanitaires, le cuivre, chouffne la table il n'est pas compatible. Si, si vous permettez. Euh je rejoins la question de Silhjoui, parce que, qu'apparemment, il y a une ambiguïté. Alors, M. il a posé la question, si jamais j'utilise un nematicide, ou bien un bactéricide, ou bien un fongicide, quand est-ce que je peux appliquer la technologie Magna Est-ce qu'il y a une, tout... une synergie, ou bien il va y avoir un antagonisme Les tout le problème qu'il y a Oui, avec le cas de Maroc oui, avec le cas oui. Le tout seul problème qu'il y a, c'est de travailler ensemble ensemble, dans le même temps, les cuivres et la technologie magna. C'est le tout seul problème qu'il y a. Non, 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 monsieur. Ça dérile... non, ah. je, je, je veux préciser ma question. Oui. Par exemple, je vais euh, appliquer euh, un produit oui. fongicide oui. à base de matière active X. Quand est-ce que je peux appliquer la technologie magna oui. pour le cas je vais préciser, le cas de, de, de tomates. je vais appliquer un, un fongicide dès la première semaine de la transplantation. Oui, D'accord À base d'une matière active qui a un impact sur les bactéries, peu importe le type, soit le pseudomonas, soit le clavibactère. Étant donné que Magna renferme des micro-organismes, est-ce que je oui. peux avoir donc, euh, la solution de Magna comme une solution por la microflora o bien por la fauna auxiliar que va a trabajar a nivel del sol ¿Es decir, vos decir, ¿es que podemos aplicar los fitosanitarios en mismo tiempo que la tecnología magna? Esa es la cuestión por resumir. Sí. Eh, sí, vale, hablo, hablo en castellano eh, el, el principal problema con ese tipo de, de productos es solo en la aplicación conjunta a la vez, es donde puede haber algún riesgo on po po podría, podría haber algo pero para eso, eh, en la línea magna hay dos tipos de productos. El producto puro, que es una aplicación puntual, y el producto soluble, donde cada vez que regamos, aplicamos la tecnología magna. Aunque tú bajes un poquito, imagínate con un bactericida, continuamente vamos a seguir aportando microorganismos, porque está junto el engre. So. Vale. Por eso hay dos tipos. Avec, avec la gamme et technologie Compo, il euh, y a deux typologies. C'est les magna-seloupes, ce que c'est les AKFOS avec moins quantité d'éléments, et nous ajoutons les deux micro-organismes. Et les magna-actifs, que c'est les produits à base de micro-organismes purs, plus concentrés les micro-organismes. Quand nous travaillons les magna-seloupes, ce comme c'est un fertilisant-seloup, ce nous travaillons constamment, constamment. Parce que c'est le produit que nous introduisons dans notre programme de fertilisation. En ce cas, il n'y a pas de problème. Parce que, ok, si tu travailles en hématicide et tu travailles en magna-seloupe, peut-être tu peux diminuer un peu, mais c'est un peu, c'est contrôler l'activité de cette micro-organismes. Mais, comme tu travailles constamment comme ton source principale de fertilisant, parce que tu peux faire la substitution, à la fin, tu vas coloniser. Et tout va travailler, les nématicides va travailler, oui, tout ne va pas perdre aucune efficacité, et tout va installer ton population de micro-organismes parce que tout travaille les produits constamment. Le tout seul problème, comme je t'ai dit, c'est avec les cuivres. Si tout travailles ensemble, les cuivres, dans un gluconate de cuivre avec les magna tu peut avoir une interférence négative. Mais si tu travailles avec un métalaxil pour les champignons du sol, ou les fossétiles aluminium, ou les tous tu les peux travailler ensemble. Parce qu'à la fin, grâce à que tout travail les produits constamment, tu vas contrôler ton population de micro-organismes. David <laughs> euh, a dit que je pouvais parler la conclusion en français, mais je ne sais pas si c'est possible. J'ai travail euh, Ok, merci beaucoup pour tous vous pour ceux ici. Merci le, pour les le team des de de experts. Vous savez que sont personnes très 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 technique, que, que très très bon en son en son travail. Nous avons euh, nous sommes allés, voy a decirlo en castellano. C'est tout difficile le que, vous, le que je voulais Estamos en el negocio On est dans un dans une affaire euh, L'agriculture. Un C'est l'agriculture. sommes producteurs de comida. Nous sommes des producteurs d'alimentation. Para los 8.000 mil millones de personas que hay ahora en el mundo y por que, los 8 .000 .000 de que hay en el mundo. y para los 10.000 que habrá dentro de poco tiempo y por los 10 que habrá en por tanto no, somos imprescindibles en el mundo Indispensables somos estamos en el mejor sector pero tenemos que ser muy buenos para que este mundo continúe avanzando son un bon sector on doit, doit, doit avanzar. Hmm. tenemos muchas uh, muchas barreras delante muchas una barrera es el cambio climático Tenemos avons problemas. el problema de uh, clima clima está allí tenemos que solucionarlo nosotros on le, laisse. On doit le solucionar. tenemos el problema uh, de regulatorio. Es decir, cada vez más las personas que consumimos productos agrícolas tenemos y producimos tenemos más limitaciones en cuanto a la producción. Nous avons des des problèmes de normes, de régulation. Norme, Chaque fois il y a des limitations. Uh, se nos exige, se se retiran fitosanitarios, se bajan los límites de detección de los fitosanitarios, tenemos problemas de contaminaciones por fertilizantes. todo esto hay que superarlo. les problèmes, tout est ce problème de, de régulation, on doit le supérer. on doit l'augmenter plutôt. et euh, vous, vous savez qu'il qu y a des problèmes de... de re, ils sont en train de retirer des molécules, des problèmes de, de régulation en général. Y después tenemos el otro punto, la otra pata del, del, del sistema, que es la rentabilidad del agricultor. Nous avons otro problema que la rentabilidad del agricultor. Estos, estos tres problemas creemos que son los que tenemos que solucionar. Ces trois on doit les, on doit les des Nosotros aquí, hoy, hemos querido dar una pincelada de qué estamos haciendo para conseguir solventar. estos tres problemas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous donner des idées pour solutionner ces points, ce problème. Exactamente. Y creo que estamos en el buen camino. Somos capaces ya de mejorar muchas cosas. Estamos muy Un qu'on est dans le bon chemin. Estamos ya en una fase de agricultura mucho más tecnificada y esto es así. El agricultor tradicional lo siento. No va a sobrevivir. Necesitamos ser mucho más profesionales. Nosotros somos un agricultor más técnico, en un mundo de agricultura más técnico. El agricultor que no sabe nada, que no no va a sobrevivir. Por nuestra parte, ponemos a disposición toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento y lo que queremos es que nos pidan información, que nos pidan ayuda... Porque lo que queremos es mejorar uh, la agricultura en Marruecos y ayudar a poner nuestro grano de arena en este, en este punto. Y está. Exacto. También una cosa, y esto va para las instituciones. Tenemos... Otra cosa que va a, la, a, las, a las instituciones. Los países, todos los países, uh, tienen que ayudarnos también a que nuestros productos y nuestras tecnologías. soient applicables en les pays, ayudándonos nous que à aplicar appliquer ces produits dans les pays. Euh, ce qu'ils demande des autorités, des institutions, c'est de nous aider à que c nos produits ou les produits qui sont utiles pour l'agriculture, soient dans le terrain, soient dans le pays. Ils parle de des pays en général, c'est les autorités des pays. Mm -hmm. Peut-être que tengamos un produit fantastique mais que nous ne le pouvons pas vendre, parce qu'en ce pays il y a beaucoup de limitations et ils ne nous laissent pas On peut avoir des produits super, mais on ne peut pas les vendre, pour des limitations, pour des normes, pour des exigences. Donc, c'est aussi une chose que, peu à peu, nous savons qu'elle va améliorer. Ça, ça va s'améliorer, ça va se... On pense, on pense que ça va s'améliorer, ce, ce type de limitation et ce type de... de restricción. Y simplemente decirles esto, que confíen en CompoExperts. estamos aquí para ir en este camino tan bonito y tan difícil cogidos de la mano. Es eso aquí de decirlo en francés porque es bonito, wow. viene del corazón. No, pero... <laughs> no, nos no, no, <laughs> estamos uh, aquí con vos para hacer la promenada todos juntos, los agricultores, las técnicas Compoexpert, de cogidos de la mano. En pronombre, en, prenant en prenant ensemble. Et c'est très, très intéressant promenade, très intéressant voyage. Nous sommes ici pour vous. Il veut dire faites nous confiance parce qu'il vient de son cœur. et c'est pour ça. Exactement. Merci beaucoup. Et alors, ahora tenemos la comida, non? Non, non, y'a está, y'a ça, y'a ça. Incha'Allah, on a une bonne rédaction, d'abord. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de votre attention et tout. نشكركم بزاف نشكر المسؤولين ديال الكومبلكس ان شاء الله الى لقاء اخر تخي